pas. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Tu sais où ils sont, ces bandits? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes. À mon avis, du côté des campements de bûcherons. Ce ne sont pas les arbres qui manquent. Pourquoi veux-tu ce bois en particulier? Je travaille sur un arc d'un genre nouveau. Il est plus souple, il dure plus longtemps et il tire beaucoup plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin d'un bois particulier qui ne pousse que sur les hauteurs. Je vais m'en occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Je vais m'occuper de ces bandits et t'apporter le bois dont tu as besoin. Un peu de patience. Ce ne sera pas long. Ha ! Si tu savais depuis combien de temps Marcos me fait attendre, tu ne dirais pas la même chose. Très bien, j'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Empreintes de pas. Un groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge.
tire dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandit. Ce doit être le campement de bandits que je cherche. Il faut que j'approche discrètement. Quelqu'un là-bas ? Il y a quelque chose, j'en suis sûr. Je vais aller voir. Mais c'était quoi ça?
ferait mieux de rapporter du bois comme preuve. Ou cette vieille folle ne me croira pas. Oh, voilà le mercenaire de Marcos. Ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois ne devrait pas tarder à arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'un mercenaire ? Je ne m'attendais pas à ce que tu me croies. Alors, j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, des arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon.
Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Sammy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. Μεταξύ τριών βαθμίδων, μη συνεκτιμήσετε όντως το απροσδόκητο που με
Ah, te voilà. Et ce n'est pas trop tôt. C'en est fini des bandits. J'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors, ton plan ? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire ? Nous devons faire, tu veux dire ? Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus ? Ses hommes ? Ses terres ? Ses navires ? Non ! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou ? Tu lui empruntes des drachmes ? Et tu veux lui voler son œil ? Si on le lui prend, on gagne ! Et ensuite, on le vend ! Et nous faisons d'un œil deux coups ! Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non ! Le Cyclope ne doit être au courant de rien ! Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique ! Jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia ? Je n'en ai jamais vu. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or ! De l'or ! Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser ? Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le Cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin ? Pourquoi tu dis ça, Alexios ? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. Bonjour, l'œil. Je te vois.
m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue.
de cadavres, je crois. Je vais aller voir. La mort a été rapide. Probablement un Mystios. Ouf!
Par Zeus, le cyclope ne plaisante pas. En route, Phobos! Attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça! On s'est bien amusé, non? Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Kéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour. On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner, tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons! Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a! Nous serons riches! La côte Est. Tu pourrais être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois, au sud de Samy. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils?
Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné. Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord. Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. La maison abandonnée et les gens. Je dois me montrer plus prudent par ici. Faire ça. Faut que je trouve qui c'est.
Quoi ? Faut que j'en ai le cœur net. La mort approche pour toi. J'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment enlever cette tâche. Si tu approches, le sang va encore couler. Peut-être, mais tu ne connaîtras pas ma proposition, Mystios. Un vrai massacre, du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons? Mes employés? Enfin, anciens employés, maintenant. Donc, tu ne travailles pas pour le Cyclope? Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette île? C'est vrai, je ne suis pas de Kefalonia. Mais ce que je suis venu chercher est ici. Si tu veux bien me suivre, Alexios. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? Je suis Elpenor de Kira. Comment je connais ton nom? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus que tu m'en dis. Te connaître est dans mon intérêt, comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Ithac. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. Le voile de Pénélope? La femme d'Ulysse? Tu plaisantes? Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait, il n'aurait pas de prix. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Ithac n'a rien d'un îlot. Il va falloir m'en dire plus. Commence par la maison d'Ulysse. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un récit émouvant, tu sais, leur retrouvaille. D'accord. Je le ferai. Ce sera sûrement difficile. Oui, mais tu vas me payer très cher. Alors c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudent. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Très bien. Au fait, Mystios, n'échoue pas.